On parle souvent des courses, mais peu des bateaux. Que deviennent ces monstres qui parfois ont permis des exploits? Justement, nous avons retrouvé le dernier bateau d'Éric Tabarly. Son histoire est extraordinaire. Gaël Robic. Le bonhomme a laissé plus que son nom à ce quai de Bretagne. Ce trimaran rouge, le dernier bateau d'Éric Tabarly, échoué là depuis 3 ans déjà après une nouvelle fortune de mer. La dernière d'une longue liste débutée en 1987 par un chavirage historique, le premier de Tabarly. C'est la première fois où j'ai vu mon frère paumé, quoi. Il comprenait plus, quoi. Il y avait quelque chose dans son raisonnement qui s'était cassé. C'était au petit matin, et un pénombre, mais j'ai bien vu. Suspendu, les pieds à moitié dans l'eau. Et comme il m'a vu aussi à l'intérieur, il m'a crié « Patrick, je crois qu'on chavire ». À l'époque, un gamin de 22 ans rachète alors ce qu'il reste du bateau, une épave échouée au large du Portugal. Depuis, Miguel Subtil se consacre à sa remise à flot. Il y a déjà passé la moitié de sa vie avec 3 millions de francs engloutis. J'ai vu un bateau... Un très grand bateau avec une construction incroyable, très bien fait, presque abandonné, il n'avait pas de surveillance, alors il était au risque de se perdre à n'importe quel moment. Je me suis trouvé presque le seul intéressé dans le bateau. Je voyais un beau bateau en train de pourrir pour rien. 1998, après 10 ans de restauration, le bateau reprend la mer. Pas pour longtemps. Un dématage le ramène à quai. Qu'importe, son fidèle propriétaire reprend tout à zéro. Il manque juste un détail, le mât. Un mât comme ça, il coûte 150 000 francs et plus son installation, ça fait moins qu'une petite pâture. Voilà. Ce trimaran, le dernier escapé d'une trilogie. Manureva disparu en mer avec Alain Colas, Paul Ricard découpé en morceaux, reste ce bateau. Ultime témoignage d'une autre époque, celle des premiers multicoques, pas forcément la préférée de Tabarly. Je ne sais pas s'il a beaucoup aimé ce bateau-là, parce qu'il a eu que des déboires avec, pratiquement. Quoi. Ça ne l'intéressait pas beaucoup de s'occuper de la remise en état de ce bateau-là. Pour lui, la page était tournée. Miguel Subtil, lui, est bien décidé à écrire un nouveau chapitre, à offrir au trimaran rouge une deuxième vie pour que Tabarly ne se résume pas définitivement à Pendwick.